Hey yo tout le monde, c'est Thiob, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode de Satisfactory. Alors, comme vous vous doutez, regardez, j'ai possiblement laissé un tout petit peu, le jeu tourner histoire de cumuler de la ressource. Hein. Vous voyez que au niveau des poutres en béton armé, j'ai tout rempli. Donc c'est que c'est plutôt bien rempli, hein, j'ai envie de dire, j'ai laissé pas mal tôt. Né. Tiens, c'est quand on va se servir comme tremplin là. Oui. Voilà. Rebondissez sur un machin girafo pinguino titanesque. Ah tiens, c'est un succès. Mais écoutez, c'était pas prévu ça à la base, mais bon. Pourquoi pas. Et bon, bah comme on avait prévu dans l'épisode précédent, on va commencer nos trajets d'hypertube. Pour ça, j'hésite encore au niveau des trajets. Parce qu'il va bien falloir que je les mette quelque part. Ouais, que je les fasse passer quelque part. Et je vais pas couper comme un gros bourrin la map. Donc je sais pas si je fais là un truc par dessus, un étage par dessus, et je dis bon bah ça va être par dessus, ou si en gros j'ai mon étage tout en bas, c'est le transport de ressources, mon étage du milieu c'est mon transport de moi, et l'étage du haut c'est mon transport à pied. Parce que mine de rien, je risque d'avoir pas mal de tuyaux qui vont se croiser. Avec avec les différentes directions. Hop, voilà. Voilà, j'ai pas beaucoup de marge. Ok, et là on va. Milestone reached. By adding hypertube entrances at both ends of hypertubes, pioneers can achieve two-way travel between locations. They are also error percent safer than jump pads. You dreamed of moving across factories like valued resources such as rocks and water, and fix it, listen to your dreams. We watched them, we took extensive notes, hypertubes, because fix it makes pioneers closely monitored dreams come true. On va voir. Non. Oh, ça c'est bien ça. Mur en béton. J'ai rien pour passer. Ah. C'est ça. 4. Il me faudrait 6 tickets là. Ça va être chaud encore. J'en ai un. Waouh. Non, on va aller loin avec ça. Celui il est vide là. Bon. À ne surtout pas reproduire chez vous, ceci est fait par un professionnel. Ah bah j'en ai de l'imprimable. Ah bah attendez, j'en ai 6. Allez, impec. Je l'ai pas vu. C'est pas bien grave. Alors, je veux ça, ça. Et c'était quoi cette architecture? Non? Si? Non? Fondation? Oh merde! Ah c'était ça, mur en béton. Voilà, on va acheter le tout. Donc on a déverrouillé. Mur en béton, convoyeur de mur en béton, et dans le transport. Trou mural et passage au sol. Ça c'est bien. Ça c'est vraiment bien. Donc on va faire, je vous propose de faire un premier chemin. Là c'est pas très loin. On va pas faire notre feignant non plus. Et de toute façon on fera quelques intersections. Hmm.
Ok. Parce que là, ça c'est pas mou ça. Oh, si, tu me diras. Non, non. Ouais, c'est mieux comme ça. Tac. Comme ça, on est sûr de pas tomber. Bon d'accord, ah oui d'accord, là ça passe mais là bon, c'est pas très grave. Mais là je crois que pour tomber il faudrait vraiment que je le fasse exprès. Ici. Ouais c'est bien. Je vais faire le départ ici. Donc entrée d'hypertube, manque, tuyau en acier, rotor. Oh ah oui. Je dois en avoir, j'espère, par là. Ou pas. Tu en acier, j'ai rotor, je crois pas. Oui. On va chercher du rotor. Hein. Écoute, c'est pas bien grave. Et je pense qu'à terme, ça me gênait un peu là, par contre, le passage. Que dalle, oh mais c'est parfait. Je pense qu'à terme j'aurai besoin d'une route spéciale hein. Parce que là en début de partie je vais faire plein d'intersections en fonction de là où je vais aller. Et je pense que je au fur et à mesure que la partie va avancer, je vais limiter mon nombre d'intersections. Mais genre vraiment. Parce que genre là pour la prod, là j'aurai une intersection, j'en aurai une à l'acier, là je dois en avoir une là pour savoir si je pars par là ou si je viens par là. Ça commence à faire pas mal. Des rotors, j'en ai là-bas. Ah ouais, tiens d'ailleurs il faudrait que je fasse des trucs en pente. Bah c'est bien, ça, avec les tickets là que je vais avoir lancé, ça devrait être bon. Allez tout prendre, hop. On s'en kikine pas. Hop. Là on est très bien. Ce que je vais faire c'est un point d'arrivée je pense ici. Ouais. Hypertube. Hypertube. Entrée d'hypertube. Alors. Très sorti. Hein. Je vais voir si, là, si je fais ça, comment je peux en mettre une, deux, trois. Je peux mettre trois hyper tubes comme ça. Trois hyper, pardon, tubes comme ça. Ouais, bon. On va dire que ça suffira. Ah, c'est balou ça. Ah non. Ça me consomme quoi de l'hypertube? Du tuyau d'acier et de la tôle de cuivre. La tôle de cuivre ça peut aller. Le tuyau d'acier ça va être vite embêtant ça. Parce qu'il faut aller chercher loin. C'est surtout ça. Ouais j'ai une idée là. je vais commencer par faire. Hop. Aller chercher à faire un chemin là vers l'acier là-bas plutôt que le faire dans ce sens là. Alors faut pas trop que je le rapproche parce que sinon ça va me poser souci. Voilà, hop,
que j'alimente bien évidemment. Attends, il passe où lui? Ah ouais, si, c'est bon. Hypertube. Non, hypertube. Voilà. Et. On va essayer de le faire de manière droite. Alors ça, c'est chiant. En vrai de vrai. Non, mais enfin. La hauteur, là, on en parle. On... Enfin, c'est un peu nul, quoi. Comme ça là, moitié dans les airs, c'est... Ah, oh, c'est pas voulu. Bon là c'est normal qu'on puisse pas rentrer. Bon, c'est pas bien grave. Soit... Et là... Là je suis droit là. Un 2D auto, courbe, horizontale, verticale. Ah ouais, d'accord. Ah, intéressant. Auto. 2D auto. Courbe. Le 2D auto, il est pas mal. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez, moi je l'aime bien. Il a l'air correct pour les courbes. Je sais pas pourquoi il me met ouais, il est pas content là. Ce qui est bien en plus, c'est qu'on peut faire des trucs assez longs apparemment. Regarde, là ça touche pas le sol. Hein. Il est pas content. Bon. Waouh. Voilà, consommation de, par contre, de tuyaux d'acier et de. Et tôle de cuivre, je me suis dit bah c'est bon, j'ai peut-être j'ai de quoi faire le trajet jusqu'à là-bas. Que dalle. Que dalle, que de nid. Je sais même pas là si j'aurais assez. Non. Bon bah on va rechercher du taux de la tôle de cuivre. En soi le trajet en plus il est pas si énorme que ça hein. Ouais, faut pas se planter, il y a un peu du vide. J'ai l'impression que c'est un peu moins en pente. Hop, allez, allons faire le plein. Tout prendre, trier. Hein, quoi, c'est tout? Ah, c'est pas des masses tout ça. Ah oui, ben ça c'est pas prévu ça non plus. C'est quoi, c'est rampe de 2 mètres ça? Je vais zapper. C'est pas bien grave. Ah, c'est parti, on va faire le deuxième. On va continuer notre chemin. Bon, je pense qu'on aura largement pas assez de quoi faire. Hein? Ah ouais, je suis bloqué là. Ok. Cool, j'aurais pu le prendre dans l'autre sens là. J'aurais clairement pu le prendre dans l'autre sens. Ouais, c'est... Tiens. Pour arriver à cet endroit là. Bon là on fait pas toute la descente. Je me dirais elle est quand même assez badass. Hein. Hop. C'est pas très beau là. Courbe, non. Non. Ouais, si, hein, ça a l'air. C'est quoi ça, c'est 2D auto? Ouais, si, ça a pas l'air moche, hein, c'est bizarre, c'est un effet de point de vue. Pas bien grave. Tac. Ouais. Il est droit lui. Oh tiens. Il y a une épave là.
Ta-la-la-la-la. On se rapproche, mais ah ouais, alors là, c'est toujours les virages à la con, là. On a toujours du mal. Non. Deux. On est bon. Ouais. Là, par contre, on va pas être bon du tout. C'est chiant, ça. Ah, des virages à la con là, j'aime pas. Bah sinon là, tac. Je suis censé être là. Combien on a en virage là? On a 1, 2. Ouais. Là je suis censé être là. Tac. Tac, tac. Donc on va dire, on va partir comme ça. Hein. Allez, je vois le cuivre là, je me dis, allez, peut-être un petit monde dans lequel j'en ai assez de tôle de cuivre. Voilà. Elle est pas trop mal là. Là je fais une entrée. Je vais récupérer. C'est où? C'est là. J'en profite. Un peu de tuyaux d'acier, hein. Ça se produit plutôt pas trop mal en plus. Et là, et là on est bien. Ça va assez vite. Je pense qu'on met qu'on gagne quand même du temps de transport. Bon, la montée là va être un peu moins drôle. La montée va être un peu. C'est bon. Et la descente est déjà un peu plus drôle. Voilà. Bon, la descente là par contre va falloir ralentir un coup aussi. Déplacez-vous à plus de 140 km/h. Ah ouais, pas mal, Fast and Factory. Hein. Ah, c'est leur jeu de mots, hein, bizarre. Donc, ici on disait. Ah oui. Mais c'est bizarre, pourquoi il reste en arrière lui? Et en effet, c'était bizarre. Ça a l'air propre, hein. Ça... Non, ça l'est pas propre du tout. Hein. Tac. Alors que je me trompe pas, tac. Ouais, bah, je peux pas faire beaucoup mieux. Ok.
on va gagner un temps fou grâce à ça. Ça va être génial. Ah oui. Alors, effectivement. Si je mets pas ce qu'il faut, ça va pas fonctionner. Hop, coucou. Voilà. Ah dommage, je pensais que ça passerait. Mais non. Youhou. Ouf. Alors on va monter. Oh là là, aller chercher du matériau là, matériel. Ah c'est assez ballot, tiens, j'arrive pile pas assez loin quoi. Va presque devenir plaisant. Ce sera beaucoup moins chiant demain. Voilà. Là. Je pense que j'ai pas le choix que de faire une entrée de tube. Ah. Ouais, non mais don't panic bro, t'as caté. Voilà. Oh non. Ok, un peu chelou là, j'étais pas serein. Là. Honnêtement, j'étais pas du tout serein. Hop, tac. Non. On a dit quoi? On a dit. Tiens, du coup, c'est très con de l'avoir mis là. Non. Est-ce qu'on va faire? Parce que j'ai pas été malin. Ça, on va faire ça. Oh, on fait chier. On va faire ça. Et celui-là. En dessous. Oh mon vieux, allez, fais-moi pas. Hein. Sérieux, là, tu me proposes de retirer celui du. Pourquoi tu me proposes de retirer celui du dessus? Ah! Regarde, là, il est en dessous, tu me proposes toujours de retirer le même. Il me casse les moments, toi. Hein. Tout ça pour me casser les. Hein. Vous-même, vous savez, hein. Bon. Ouais, tu fais chier. Hop. Voilà. Tac. Tac. T'as tout ça pour éviter la coupure, quoi. Sérieusement. Je vous jure. Voilà. Vraiment le gros feignant, quoi. Là, pour le coup. Feignantise à son paroxysme. Mais alors, si tu pouvais être droit en fait, s'il te plaît, quoi. Au bout d'un moment, faut pas déconner non plus. Voilà. Tac, tac, tac. Hop, hop. C'est vraiment pas droit. Hein. Ouais, non, c'est vraiment pas droit. Hein. Regarde, là, il est pas droit ce truc là. Mais sérieux. C'est vraiment nul. Il me refout des petits coups là à la con parce que. Parce que le machin il veut pas se mettre droit. Ça a pas été corrigé. Hein. J'ai le même problème lors de la bêta. Alors oui, bon par contre, ça va pas le faire. Hop. Tac. Voilà. Là je fais mon entrée d'hypertube. Alors, regardez à quel point c'est magnifique. C'est que là. La vitesse. Oh oui, 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 oui. On ralentit. Parce que sinon on passe direct dans le deuxième. Et on veut pas. Et si je veux aller dans le deuxième, j'ai juste à accélérer ou à continuer à plutôt à garder mon allure, à garder cette allure. C'est génial. Hop là.
Et maintenant, on va faire le bout de chemin qui est un peu le plus long. Hein. Qui est indéniablement le plus long. Ah oui, mais non. Putain. C'est vraiment pourri ça par contre, hein, quoi, ici, mais le machin. Ça là. Pourquoi cette traviole, hein? Tu m'expliques pourquoi tu fais tout pour être de traviole, toi? Oula, il s'est passé un truc bizarre. Comment je suis passé par là, moi? Tac! Allez, s'il te plaît, mets-toi droit, mon musier. Comprends que tu es chiant. Je vais mettre une entrée ici comme le feignant que je suis. Pour aller plus vite. Oui, tiens d'ailleurs, faudrait pas que j'aille trop vite parce que là j'ai le vide en fait. Me dire là. Là, faut éviter de tomber quoi, si possible. Peut-être céder à. je sens la bêtise venir. Allez hop. Ah, je suis pas allé monter là. Oui, effectivement. Et il me manque des deux trucs là. Vous savez quoi? Pour pouvoir prendre un peu plus. Je vais poser des choses ici parce que là. Tac, tac, tac. Oula vache, ouais, j'ai pris un peu de béton. Ça aussi. Et ça avec. Voilà. Je fais un coup de tri. Alors là, je pense que je vais pouvoir finir ma longueur avec ça. Oh, la vitesse. Là on va vite hein. Jouo eBay Blade. Hyper vitesse. Alors. Voilà, ça devrait être bon. Allez, si on est bon là. Oui. Alors, on va chercher nos 10 tuyaux d'acier. Allez, pousse! Allez, nage! Nage dans l'air, mais nage quand même! Huit, la saucisse. Et j'ai pas l'air d'être droit aussi, hein. Il y a des endroits, c'est un peu bizarre. Là, on profite de l'élan! Mouillon. Hop là. Ouais, ça va, je suis pas éjecté trop loin. Yes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 10. Et mine de rien là, ça reproduit pas mal hein, en tuyau. Bon, j'en avais quelques-uns en rab dans le. Dans les constructeurs, je veux bien, mais pas à ce point-là. Ah, la montée est dure. C'est bon. On va pouvoir faire une belle descente. Suivi d'une. Une grosse montée aussi. Ouais, pas tant que ça. Hein. Je pensais que j'en aurais un peu plus de vitesse. Bon, c'est pas grave. Et là, je vais vous montrer l'enchaînement du coup. Tiens, c'est quoi ça? Caisse de démantèlement? Hein? Ah bon? Où ça? Oh! Bon, c'est pas très grave. Et là, si je vais tout droit. Hop là! Et on transfère la vitesse. Ouais, c'est génial. Caisse de démantèlement, mais il est où? Alors là, on va se calmer par contre. Ah, il y a du méchant là-bas. Bon, on va avancer tranquillou. Non! Heureusement, on peut faire demi-tour. Ah, j'ai pas fait d'entrée. Ah. Alors je ralentis exprès un peu la vitesse là, je veux savoir où est ma caisse de démantèlement. Apparemment c'est par là. Je suis allé là-bas moi.
J'ai même pas le souvenir. Puis ça bouge pas, hein. Attends, c'est quoi ce délire? Quoi? C'est une zone d'ombre, j'y suis jamais allé. Ouais, ouais, y a un truc chelou là. Bon. Écoutez. On ira voir un jour. Ouais, je vous avoue, j'ai un peu du mal à comprendre le principe. C'est pas très grave. Est-ce que t'es droit, toi? Ouais, 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 ça a l'air. Ouais, ouais, mais fais gaffe, hein, j'étais à l'œil, toi. Vous avez à l'œil, là, les machins, là. Voilà. Sacré montée là aussi, hein. Ça va galérer. Hein. Là, c'est le deuxième en hauteur. Oh, tu m'étonnes, ça va galérer sec à monter. Hein. Alors, on va faire un troisième en hauteur. Je sais même pas si je vais y arriver. Tout pile. Tout pile. Ah oui, vraiment tout pile. Hein. C'est. Faudrait pas plus. Hein. Oh là là, mais ça va être agréable en vrai là de se balader grâce à l'hypertube. Hop là. Et là on va avoir la grosse descente de l'autre côté. Ça va être encore bien. Ah oui, et aussi ce que j'ai décidé de faire. Vous savez, je suis droit là. Ouais. Ok. C'est, vous savez, j'hésitais à. Au niveau de la construction de moteur, est-ce que je faisais est-ce que je regroupais tout au même endroit, c'est-à-dire rotor, stator ou pas, comment je me débrouillais? Bon, j'ai décidé de tout regrouper. Voilà. Donc je vais bouger les ma prod de cadre modulaire. Dans tous les cas, là, j'en ai un petit peu en stock. C'est surtout pour ça. Ah, j'ai oublié ce détail qui n'en est pas un. Ouais, donc je disais, dans tous les cas, je bougerai un peu ma production de cadre modulaire. On verra jusqu'où on va. Et comme j'en ai en stock, je m'en fiche un peu de pas le refaire de suite tant que j'en ai pas plus besoin que ça, surtout au moment où j'en aurais besoin. Alors là on a tac tac tac. Voilà, je suis bien ou pas? Oui, c'est très bien. On va peut-être faire un arrêt ici. Hein, on va peut-être ouais. Ici on va peut-être dire qu'on a stop. Le poteau il n'en peut plus là. C'est pas droit hein. Ça c'est pas droit du tout hein. Putain, c'est du foutage de tronche hein. C'est du foutage de goule. Regardez-moi ça, c'est pas droit juste pour enquiquiner le monde. Et pour parler vraiment poliment, je dis enquiquiner hein. Je suis droit là? Ouais. Ah. J'ai pas mon endroit là? 1, 2, 1, 2. Bizarre ça encore, on a rien vu. Disons qu'on a rien vu. Hein.
Hop. On descend petit à petit. Voilà. Ouh, oh oh, quelle idée à la con. Bah oui, un peu que ça fait mal aux jambes. J'ai pas de ski, faut pas déconner. On va faire sur une compétition de saut en longueur là. Enfin de ski en longueur, enfin je sais pas comment ça s'appelle. De saut de ski en longueur peut-être. Hop, oui bon, j'ai oublié ça. 1, 2, 3, 4. Et là on va arriver à notre production de moteur etc à cet endroit là. Ah j'ai pas pris le bon. Non. Hyper tube, voilà. Vous voyez j'ai agrandi un peu la plateforme. Bon il y a. Je manquais un pouilla de béton à un moment, c'est pas de bol. C'est pas bien grave. Hop. Oui. On fait une zone ici. Voilà. Là, on va tirer un petit truc vite fait là. Pas. J'ai pas le droit. Ok, super. Si. Ouais, super. Wouhou. Ah oui, ah oui, 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 oui. Alors, j'ai zappé aussi. Pour faire des moteurs. Alors, je tourne avec pas mal de temps d'avance. Là, je dois avoir une semaine d'avance, je pense. Donc... C'est possible que vous me le disiez dans les commentaires et que je réagisse que maintenant en fait. Mais en fait le truc c'est que il me faut aussi du cuivre que j'ai là je crois. Voilà. Et il me faut ici du charbon. Que je crois qu'il y en a par là. C'est déjà plus loin. Ah ouais, vu le temps que ça a mis pour arriver là déjà. Voilà. Vous voyez, pureté normale, pureté pure. Donc il est clairement pas à côté, hein, 700 mètres, 800 mètres, qu'il va falloir que je ramène. Sauf que ça, ça va être aussi, ça va être drôle ça aussi. Non, juste pour savoir, je suis là, purée, déjà 40 minutes, mince. Bon, on aura fait toutes les routes, ou alors les principales en... en hypertube. Je vais faire un... Non parce que là je sens que je vais... Je sens qu'à un moment j'ai oublié et puis je vais aller très loin dans le petit lac là-bas. Donc cette montée hein, cette montée qui est fastidieuse, je l'avais faite également sur une autre partie. Elle partait de plus bas alors... C'est bizarre, j'ai l'impression qu'elle était un tout petit peu différente. C'est peut-être la map qui est un petit peu différente, je sais pas. Je pensais que j'arrivais, ou alors j'arrivais peut-être un petit peu plus de côté, je saurais pas dire. Mais elle est pas du. Pas facile à faire. Elle est clairement pas facile à faire. Mais bon. Voilà. On va aller faire l'infrastructure électrique étendue. Ça par contre, ce trajet en vrai. Oh, t'as tout ça là que je peux faire en. Je sais pas, une quelques dizaines de secondes on va dire, alors que j'aurais dû galérer avant. J'ai des cadres, ouais, j'ai peut-être pas de poutres, si j'en ai pris, et les fils, je dois en avoir, j'en ai à côté, voilà la vitesse que j'ai là en pente, c'est quand même beau, là, hop,
Voilà. C'est bon. Ok, ça a l'air d'être bon. On prend tout. Quoi? Ah! Ah, c'est pas prévu ça. J'ai l'inventaire complet. C'est pas très grave. Voilà. On va commencer à remplir avec ce qu'on peut et avec ce qu'on a. Tac, tac. Ah oui, voilà. 200 cadres modulaires. Ah la vache, 200. C'est beaucoup, hein. Et du... Oh. J'ai plus de poutre en acier. C'est bizarre ça. J'ai dû les laisser quelque part. Je me demande si j'ai pas dû le laisser dans le... Dans le coffre là que je viens de faire. Mais c'est pas grave parce que grâce... à mes nouveaux hypertubes, ça me prend pas longtemps à aller chercher. Il y a juste que je pense à ralentir, on va arriver là. Ah ouais? On va pas laisser là? Bon, bah je vais aller en chercher à l'usine directement. Hein. La montée est quand même moins chiante. Clairement moins chiante que quand je le fais sans élan. Là. Ah, pardon, excusez-moi un petit instant. Ah putain, je retrouvais plus mon truc. Et là, on avait dit une centaine. Tac, tac, tac. Allez hop, j'en prends. J'en prends 300, comme ça je suis sûr. Et on est reparti! Parce qu'on n'a pas le choix! Regarder en face quand même. Hop, et on enchaîne. Et on réenchaîne sur l'enchaînement en plus. Regardez, regardez, regardez. Ah! Oui, alors... Ah, astuce à connaître, ça je l'avais zappé celle-là en plus. Si vous voulez vous arrêter, vous mettez des coffres en dessous. Ouais, vous mettez des coffres en sortie, c'est vrai que plutôt que de murs. Alors si vous allez vraiment très très vite, les coffres seront limités. En vrai c'est un truc qui marche très bien. Je l'avais appris par hasard à un moment, dans une de mes précédentes parties. Allez, infrastructure électrique étendue. Nous voilà. Ah oui, on... Il me manque 12 câbles. 12 fils électriques, putain. Je l'avais même pas vu, hein. J'ai vu le truc à peu près rempli, j'ai fait hop. Et oh, c'est terrible ça, je suis complet au niveau de mes items. Qu'est-ce que j'ai en trop? Mettre ça. Ça j'en ai pas besoin d'autant. Ça j'en ai clairement pas besoin d'autant. Ouais, tout ça, hop, voilà. Faire un coup de tri, voilà. Tac, 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 allez hop. On a pris 2500, 5 slots, c'est très raisonnable. Are you ready? Il n'y a plus le point, c'est dommage, c'était bien. Donc ça me fait débloquer, bon, ça, l'accumulateur, ça peut être intéressant,
En fait, là où c'est intéressant, c'est quand on aura débloqué les geysers. Mais pas avant. Et là, il va falloir terminer la phase 2. Donc, il manque les stators et les moteurs à faire, mais c'est tout. On est vraiment pas mal. J'ai tout le reste en production. Et on va s'en charger dans les prochains épisodes. En attendant, j'espère que celui-ci vous aura plu et je vous propose de me retrouver très bientôt dans le prochain. Je vous dis à la prochaine, c'était Tiob. Ciao.